Roger rentrait furieux chez lui. Il rentre avec la ligne 12 du métro depuis la station Lamarck-Caulaincourt. En plaçant cet après-midi un pot de fleurs non coupé, il en a renversé un autre qui lui a dégueulassé les pompes. Des chaussures si sales sur un homme aussi élégant et présentable ? Oui, c'est ça. Vraiment dégueulassé. Au contraire, je pense qu'il rentre à pied chez lui. Oui, il rentre à pied. Et que c'est interminable même. Roger marche sous la pluie, longtemps. Il erre dans les rues s'enveloppant de son imperméable. Il est déjà ruisselant de sueur. C'est comme s'il pleuvait dans sa chair. Ses pas le conduisent finalement jusqu'à son quartier. La nuit tombe. Il est tard et Claudine n'a aucune nouvelle de Roger. La nuit tomba et Claudine tournait désespérément dans son lit. Il s'engouffre dans le hall de son immeuble et grimpe jusqu'à chez lui. En peignoir, elle se dirige dans le salon avec une inquiétude immense. Elle arriva dans le salon et se trouva en tête-à-tête avec Roger qui était entré en douce. Il est happé par la chaleur de l'appartement. Il a toujours trouvé que Claudine chauffait de trop. Certains jours, ça l'étouffait et il ouvrait alors toutes les fenêtres pendant qu'elle était au travail. Claudine fait son apparition au bout du couloir. Elle l'approche et l'embrasse au coin des lèvres. Il fut un temps où c'était sur les lèvres. Aujourd'hui, on frisait le baiser sur la joue. Roger, qu'est-ce que ça signifie ? Je me suis fait un sang d'encre. Ton dîner est froid. Où étais-tu ? Nulle part. Je me suis promenée. J'avais besoin de marcher. Elle remarqua les souliers crottés de son mari et observa la crasse qui se trouvait à l'entrée du salon. Rien, c'est juste que... Bon, laisse tomber. Quelque chose ne va pas ? Je suis juste un peu fatigué, c'est tout. Comment ça, je dois laisser tomber ? Coupa-t-elle en colère. Parce que si on est trop dans l'excès, je pense que ça va... Oui, voilà, trop de vie, alors que justement, on est sur un mec qui... Que la vie abandonne un peu. Il faut qu'il puisse continuer à se taire. Tu comprends ça te... À mi-chemin vers la cuisine, elle s'arrête et se retourne vers lui. S'il y avait quelque chose, tu me le dirais, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais réellement, il n'avait aucun mot à lui dire. Il ne se sent pas capable d'engager une discussion. Il ôte ses chaussures et enfile ses pantoufles qui l'attendent comme deux chiots fidèles à l'entrée. Roger baissa le regard à terre et s'écroula dans son canapé tellement il était mal et meurtri. Un sale silence fixe l'oxygène.